Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment débuter sur Excel, que vous soyez débutant ou encore en apprentissage. Comment réussir sur Excel professionnellement et aussi individuellement. Tout cela, ça se passera dans cette vidéo. Vous allez savoir à la fin de la vidéo toutes les bases pour réussir sereinement sur Excel. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Alors, première des choses à savoir sur Excel, c'est de connaître les différentes rubriques. Donc là, je vais vous présenter cela rapidement. Donc, les rubriques, on ne les connaît pas par cœur dans la tête. Donc, il vous suffira tout simplement de fouiller parce que même les plus grands développeurs ne peuvent pas retenir où se trouve chaque rubrique totalement. Voilà. Donc, il y a certaines rubriques qu'on sait où ça se trouve, mais parfois, on peut être amené à chercher. Donc là, vous avez par exemple dans la rubrique accueil tout ce qui est alignement, tout ce qui est police, tout ce qui est le style, les cellules, l'édition, c'est-à-dire les filtres, les tris. Vous avez en insertion tout ce qui est les graphiques, voilà les segments et tout, tableau croisé dynamique. Vous avez les mises en page, vous avez les formules, vous avez les données, vous avez la révision, vous avez l'affichage, vous avez le développeur. Le développeur, c'est plus technique parce que c'est pour les algorithmes, les visuels basiques, les macros et tout. Voilà. Donc, comment réussir finalement sur Excel? Première des choses à savoir, c'est de savoir qu'Excel fonctionne en ligne et en colonne. C'est-à-dire, vous avez une ligne et vous avez des colonnes. Bon, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il est important pour vous de savoir que là, cette barre-ci, elle vous permet de saisir des formules. Enfin, on le verra dans la vidéo. Donc, comme je disais, Excel fonctionne en ligne et en colonne. C'est la première chose à savoir sur Excel. C'est-à-dire, si je me trouve par exemple dans cette cellule, je me trouve dans la colonne B et dans la ligne 4. Ce qui fait que je me trouve en cellule B4. Donc, à chaque fois, le nom de la cellule s'affiche toujours ici. À chaque fois, vous allez voir le nom de la cellule ici si vous voulez faire plus rapidement. Donc, maintenant, imaginez que votre employeur ou voilà, je ne sais pas qui, on vous demande de saisir une liste de 100 personnes, numérotées de 1 à 100. Comment vous allez faire? Normalement, pour un débutant, ce serait simple. Il va tout simplement venir dans Excel, il va mettre 1, il va descendre, il va mettre 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à 100. Voilà. Sauf que c'est pas évident lorsque vous voulez être efficace, lorsque vous voulez être efficient, c'est-à-dire travailler en gagnant du temps. Ça sera pas efficace. Et donc, c'est ça le but d'Excel, parce que Excel, c'est un logiciel très, très puissant qui vous permet de faire de grandes choses que vous-même vous ne pouvez pas imaginer. Donc, à chaque fois que vous voulez écrire une formule sur Excel, vous devez toujours commencer par le signe égal. Ça, c'est la première des choses à savoir. Toujours égal avant de commencer une formule Excel. Une fois que vous avez mis égal, étant donné que là, vous voulez numéroter de 1 à 100, vous allez cliquer sur cette cellule et vous allez rajouter plus 1. C'est comme une simple opération. Le contenu de la cellule A1, c'est bien 1, donc il va savoir que c'est 1, auquel il va rajouter 1. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Donc, le contenu de la cellule A1, c'est 1, ce qui fait dire que normalement, l'opération, c'est 1 plus 1. Et donc, vous allez cliquer sur Entrée. Et une fois que vous avez fait cela, vous recopiez tout simplement et il va vous compter à chaque fois plus 1. Donc là, vous voyez, il va faire A5 plus 1, A6 plus 1, A7 plus 1 et à chaque fois. Voilà, donc c'est ça le but. Sauf que pour faire cela, pour faire n'importe quoi sur Excel, c'est-à-dire pour automatiser des programmes Excel, vous devez toujours commencer par saisir la première opération, c'est-à-dire de faire un premier calcul manuellement avant de pouvoir automatiser tout le reste, sinon c'est pas possible. Voilà, donc c'est tout ce que vous allez faire pour pouvoir automatiser.
Vous devez commencer toujours manuellement au début avant de pouvoir automatiser. Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc je vais le supprimer. Maintenant que vous savez comment faire une liste de noms sur Excel, comment mettre un format monétaire? Voilà, voyons voir les formats. Si on vous demande de mettre en euros, voilà, vous allez tout simplement cliquer sur la plage, ou plutôt sur les cellules. Vous avez cette bande déroulante qui propose plusieurs éléments. Là, vous pouvez les mettre soit en format monétaire, soit en format comptabilité. Je vais les mettre en monétaire, avec deux chiffres après la virgule. Et donc là, vous avez en euros. Et vous devez savoir que vous avez la possibilité de réduire les décimales en vous mettant juste là. Vous avez ces flèches-là qui regardent à gauche et à droite. Là, c'est pour ajouter des décimales et là, c'est pour réduire. Donc là, si je me mets là, je vais réduire la décimale et ça va rester à 1 euro. Mais vous n'avez pas fait pour chaque cellule, vous allez bien évidemment sélectionner et le faire à chaque fois. Donc, vous sélectionnez et vous décalez. Donc là, il est bien mis 1 euro, 2 euros, 3 euros. Maintenant, on a également le format date qui est intéressant. Donc là, vous écrivez par exemple le 26 janvier 2015. Lorsque vous écrivez 26 janvier 2015, parfois ça peut vous faire ça. Donc pour lui, 26 janvier 2015, c'est en 2030. Mais il comprend pas parce que là, c'est sur le format nombre. Pourtant là, vous avez écrit un format date. Et donc pour qu'il comprenne que c'est une date que vous avez saisie, vous allez venir sur date courte ou date longue, ça dépend de vous. Si on vient sur date courte, il comprend bien que c'est le 26 janvier 2015. Et si on vient sur date longue, il va écrire plus en détail, lundi le 26 janvier 2015. Voilà, ça c'est une chose à savoir également. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer sur les vraies choses? Voilà le format pourcentage. Pourcentage, c'est la même chose, vous sélectionnez votre plage et vous cliquez sur pourcentage. Donc vous pouvez réduire les virgules, ça dépend de vous. Vous avez également donc là, vous avez plusieurs éléments. Vous avez l'heure, vous avez les fractions, les centimes, les puissances, nombre et standard. Et voilà une petite astuce. Si vous voulez mettre la date d'aujourd'hui sur Excel, il vous suffira de cliquer sur égal et de mettre aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une formule Excel qui vous permet de mettre la date d'aujourd'hui. Donc vous mettez juste aujourd'hui et vous devez savoir également que les formules Excel fonctionnent en parenthèse ouvrante et fermante. Donc à chaque fois quand il y a la parenthèse ouverte, vous devez toujours les fermer. Donc là par exemple, il vous met la date d'aujourd'hui, 26 août 2022. Donc là on a le 26 août 2022. Donc ça veut dire que si vous fermez cette fenêtre, vous fermez le fichier et que vous vous reconnectez demain ou après-demain ou dans 10 jours, il va toujours vous mettre la date de ces jours-là. Donc cette date va changer pour mettre la date à laquelle vous vous trouvez. Donc ça c'est une petite astuce également à connaître sur Excel. Donc passons aux vraies choses. Passons aux vraies choses. Donc là, vous avez un tableau qui vous propose le prix unitaire et la quantité. On vous demande de calculer le total. Donc, comment faire pour calculer le total sur Excel? Il vous suffira tout simplement de cliquer sur de saisir le chiffre égal pour commencer votre formule, bien évidemment. Vous multipliez le prix unitaire par la quantité et vous avez le résultat. Donc, ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de difficulté dessus. Et après que vous avez fait cela, vous faites pour la deuxième opération. Vous faites également pour la troisième opération. Ainsi de suite. Mais sauf que si vous avez 1000 opérations, est-ce que vous avez fait cela pour les 1000 opérations? Non. Donc le but, c'est de gagner du temps, c'est d'être efficient. Et Excel vous propose de faire les choses plus rapidement. C'est pour ça qu'il a été conçu, pour simplifier le travail.
Et donc, vous vous placez juste sur la première cellule, c'est-à-dire le premier calcul que vous avez fait, parce que je vous ai dit la base sur Excel, c'est de faire un premier calcul pour pouvoir automatiser votre contenu. Donc, vous allez tout simplement faire un recopiage jusqu'à la dernière ligne. Et là, il vous calcule voilà, il vous met tous les résultats. Pareil pour ici, donc là, ça fonctionne de la même façon. Et donc, comment comprendre cela? C'est que à chaque fois que vous décalez, c'est-à-dire à chaque fois que vous recopiez, lui, il décale de cellule aussi. Donc là, vous étiez en cellule B4, B4 fois C4. Une fois que vous décalez, il décale aussi en bas de B5 à C5. Une fois que vous vous descendez, il décale en bas aussi de B6 à C6. Donc à chaque fois, lorsque vous descendez, il descend aussi sur les lignes et les colonnes. Voilà. Mais il va se poser une problématique que vous allez voir ici. Vous allez voir là que le problème qui va se poser. Là, vous avez le nombre de membres inscrits et le nombre de membres extérieurs avec leurs différents prix. On vous demande de trouver le montant des inscriptions. Donc, commencez par égal. Le nombre de membres inscrits divisé par leur prix plus le nombre de membres extérieurs multiplié par leur prix. Donc, ça vous donne ce résultat. Voilà. Donc, lorsque vous avez cela, vous aurez tendance à vouloir recopier directement. Mais en recopiant directement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. Donc, à partir de là, les résultats sont bien évidemment faux. Et il vous met la valeur. Pourquoi valeur? Parce qu'il n'a rien compris. On va commencer là. Là, comme je vous ai dit sur la précédente rubrique, il décale lorsque vous décalez. Donc à chaque fois que vous décalez la formule, il décale aussi. C'est-à-dire, là vous étiez à là, à ça, fois ça. Donc là je vais mettre ici, pour mieux voir, parce que là où c'est un et mieux vos cellules, nous mettons sur la barre. Vous voyez que ce qui est en vert, c'est ça. Là je mets là. Donc, il va décaler cette cellule qui est en train de mettre là. Donc, vous voyez que là, le vert, il est descendu sur la plage vide. Donc, il ne comprend pas. Normalement, c'est 50 qu'il devait prendre. Mais une fois que vous êtes descendu d'un pied, il descend également d'un pied. Pareil pour ici. Le vert, il se trouve maintenant là. Une fois que vous êtes descendu de deux pieds, il descend aussi de deux pieds. Et là, il ne comprend pas parce que c'est un format X. Et c'est pour ça, donc, qu'il vous met valeur. Valeur parce que c'est un nombre qui multiplie un fichier texte. Donc là, ça se fait pas. Donc, il ne comprend pas. Et donc, comment faire pour éviter cela? Vous avez sur Excel une fonction qu'on appelle le... Voilà. Bon, ça n'a pas de nom, mais on appelle en gros cela figer. Il suffira de figer, en fait, les cellules uniques. Donc, vous voyez qu'en fait, ça, ce sont des cellules uniques normalement qui ne doivent pas changer. Et c'est là, ça doit changer. Donc, on fige toujours les cellules uniques. Donc là, on va figer, par exemple, la cellule B4. Et pour figer, vous avez deux possibilités en fonction de votre clavier. Vous pouvez faire F4 ou tout simplement F4. Donc, ça dépend des claviers. Vous essayez les deux, ce qui donne pour un marché. Et vous figez également les 50 euros qui sont en vert. Voilà. Vous pouvez les remarquer soit en fonction de leur couleur, soit en fonction du numéro de la cellule. Là, on sait qu'on est en cellule B5, donc vous venez sur B5, et vous figez F1, F4. Voilà, vous faites entrer, et vous recopiez. Donc là, il va comprendre que ces cellules ne doivent pas bouger, c'est ça l'objectif de figer. Il comprend que là, ça ne bouge pas. C'est ça l'objectif. Donc, à chaque fois que vous descendez, il va toujours rester sur les 12 et les 50. Chaque fois. Voilà. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Et on va continuer. Et puis, je vais vous montrer également dans la vidéo comment faire des tableaux. Hein. Donc, je vous montre tout de suite comment faire des tableaux sur Excel. Donc, si je mets par exemple la prix unitaire, je mets la quantité. Donc, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas de magie. Donc là on fait un petit tableau 10 54. Donc on vous demande de faire un tableau sur Excel. Donc, une fois que vous avez saisi tout ce que vous avez à saisir, vous allez juste sélectionner la plage
Donc, dans accueil, vous avez cette petite bande déroulante, voilà, cette petite carré. Voilà. Et vous cliquez dessus, vous cliquez sur toutes les bordures. Donc, il va vous mettre ce genre de tableau, tout simplement. Après, vous allez faire quelques mises en forme, bien évidemment. Par exemple, pour centrer vous l'allez cliquer là, pour que ça se mette au milieu, que ce soit un peu plus beau, plus esthétique. Là également, vous pouvez le mettre, le centrer également, voilà. Là, c'est mieux. Vous pouvez mettre en gras, vous avez la possibilité de mettre en gras, en italique. Là, ça dépendra de vous. Amusez-vous sur Excel. Excel, c'est comme un game. Voilà. Donc là, vous avez une résidence de vacances avec des prix en fonction du type de personne. Donc pour les adultes, vous avez 175 euros. Pour les moins de 14 ans, vous avez 100 euros. Pour les moins de 4 ans, il vous demande de trouver le tarif total. On sait que voilà, pour Moulin, on a deux adultes, un de moins de 14 et un de moins de 4 ans. Donc, premièrement, pour trouver le résultat, vous commencez toujours par bien évidemment égal. Égal. Vous allez cliquer sur chiffre 2 multiplié par photo. Auquel vous allez rajouter le moins de 14 ans multiplié par photo. Et vous rajoutez également le moins de 4 ans multiplié par son prix. Donc, vous faites égal. Et puis, une fois que vous avez le prix, vous allez tout simplement recopier les cellules. Et sauf qu'en recopiant les cellules, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que vous avez compris. Si vous avez compris ce que j'ai fait précédemment, normalement, vous devez comprendre là, parce que là, les résultats sont incorrects. Parce que le plus petit tarif là, c'est 50 euros. On ne doit pas se retrouver à 6 euros, à 7 ou à 2. Donc, si vous avez bien compris, c'est que à chaque fois lui aussi il décale. Là on était avec des prix unitaires là, donc si vous vous mettez là, il décale également les prix. Vous voyez que les prix unitaires ne sont plus sélectionnés, donc lui il va considérer cette cellule comme le prix unitaire parce que vous avez décalé d'une ligne. Lui aussi il va décaler d'une ligne. Pareil pour là. Si je mets en dernier, il va considérer ça comme le prix unitaire parce que vous avez décalé de à peu près 7-8 lignes. Voilà. Et donc, c'est ça l'objectif de figer. Donc, vous allez figer. Donc, j'ai dit vous, pour distinguer le nom de la cellule, vous pouvez vous référer soit à partir des couleurs, soit à partir du nom de la cellule. Donc, voilà. Donc là, par exemple, pour les 175 euros, je sais que c'est le B5. Donc, je vais le figer en faisant FNF4. Après, on a le C5 pour les 100 euros, FNF4. Et on a le D5 pour les 50 euros, FNF4. Et donc là, vous pouvez recopier sérieusement pour avoir votre résultat. Et donc là, on a des résultats plus corrects. Donc, il vous demande maintenant le total général. Pour trouver le total général, vous connaissez, c'est égal. C'est égal ça plus ça. Donc vous n'allez pas faire problème sur Excel, c'est que vous devez gagner du temps. Donc en faisant ça, si vous avez 1000 lignes, vous n'allez pas cliquer sur les 1000 lignes. Donc, le but c'est de gagner du temps. Et je vais également vous montrer donc une astuce qui vous permettra de faire les choses plus rapidement. Donc sur Excel, vous avez ce qu'on appelle la formule somme. Une fois d'avoir mis égal, vous mettez somme. Donc il sort automatiquement. Donc c'est le premier, vous allez cliquer sur somme. Et il vous demande le nombre 1. Donc là, le contenu, en fait ça c'est le contenu de la formule. Donc pour lui, vous devez entrer le nombre 1, après le nombre 2 et ainsi de suite. Donc vous devez cliquer sur le nombre 1, point virgule, il va vous demander le nombre 2 et ainsi de suite. Vous voyez, chaque fois il vous demande un nom, vous vous arrêtez là où vous voulez vous arrêter. Vous mettez, donc vous terminez toujours par la parenthèse, très important. Lorsque vous ouvrez la parenthèse, là vous devez fermer toujours la parenthèse et il vous donne le résultat. Bon, sauf que là,
c'est toujours problématique parce que vous ne gagnez pas du temps. Donc, vous avez cette possibilité-ci. Soit vous mettez somme et vous cliquez directement sur toute la plage. Ou à défaut, vous pouvez tout simplement mettre Alt. Donc vous mettez dans la cellule qui sera utilisée pour le calcul. Et vous cliquez sur Alt égale. Donc je vous mets ça là. Donc c'est Alt égale. Donc c'est ça qui vous permet de calculer rapidement, de faire rapidement une somme, c'est-à-dire une addition sur Excel. Si vous avez 1000 lignes sur une colonne, il va à chaque fois, voilà, une fois que vous avez mis Alt égale, il comprend que c'est toute cette cellule, toute cette plage que vous voulez sélectionner. Et donc, ça peut arriver parfois que vous faites Alt égale et il s'arrête par exemple là. Donc, c'est à vous de venir sur le petit curseur et de remonter jusqu'à là où vous voulez vous arrêter. Et là, c'est plus facile et plus rapide. Et on va terminer avec ce tableau pour ce premier module de comment acquérir les bases facilement sur Excel. Et donc là, vous avez le contrôle d'informatique. Vous avez le premier contrôle, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et on vous demande de calculer la moyenne de chaque élève, la meilleure note, la moins bonne note et le nombre de notes. Voilà. Donc, vous connaissez tous la formule de la moyenne. C'est égal. On sélectionne bien évidemment toutes les notes. On additionne toutes les notes. Et on va diviser toutes les notes par, je suppose que vous connaissez, par 4. Parce qu'on a bien évidemment 4 notes. Donc c'est ça qui nous permet de trouver la moyenne. Et donc là, il va vous donner 34. Et vous savez bien que 34, c'est pas le bon résultat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis des parenthèses. Donc mettez toujours des parenthèses sur Excel, sinon il ne comprend pas. Lorsque vous ne mettez pas de parenthèses, c'est E4 qu'il divise par 4 et non le reste. Donc, comme nous, c'est tout qu'on veut diviser par 4, on va bien évidemment mettre la parenthèse jusque là. Donc là, il va comprendre que c'est tout ce qui est à l'intérieur qu'on veut diviser par 4. Et puis là, il nous donne le bon résultat. Et donc, vous devez savoir qu'il existe également une formule pour trouver la moyenne. Pour trouver la moyenne. Voilà, donc là, vous avez vu que manuellement, c'est 10. Mais plus techniquement, vous avez ce qu'on appelle la formule moyenne. Voilà, tout simplement. Vous cliquez sur moyenne et ils vont vous demander les nombres. Voilà, vous sélectionnez les nombres ou bien vous faites directement ça pour gagner du temps. Et ils vous trouvent la moyenne, 10. La meilleure note, quand on parle de meilleure note, avec les yeux, on voit bien que pour Martin, la meilleure note, c'est 14. Mais, comme nous sommes sur Excel, on ne va pas... on a besoin d'automatiser toutes nos données. Voilà. Donc, vous avez également ce qu'on appelle la formule max, c'est-à-dire le maximum. Il va aller chercher sur toutes les notes de Martin le maximum. Donc, vous faites pareil. Vous sélectionnez et vous fermez la parenthèse. Donc, lorsque vous rentrez la formule Excel, c'est-à-dire lorsque vous mettez somme, max ou moyenne, il ouvre automatiquement une parenthèse. Donc, c'est à vous de fermer la parenthèse après. Donc là, vous cliquez dessus et il vous a pris la note maximum. Et bien évidemment, si je change cette note et que je mets 20, il prendra 20 comme maximum et la moyenne également a changé. Donc c'est ça qui est bien sur Excel. C'est que une fois que vous avez automatisé les cellules, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez modifier et vous trouve toujours à chaque fois les bons résultats. Donc si je mets là par exemple 5, il va trouver une nouvelle moyenne et il va toujours avoir, voilà, la meilleure note n'a pas changé. Donc pour le min, le minimum, c'est-à-dire la moins bonne note, bon j'ai dit la réponse avant, c'est min, c'est-à-dire le minimum, on sélectionne la plage, et il vous trouve le minimum, c'est 5. Maintenant, pour le nombre de notes, vous avez une formule qu'on appelle NBCI, non pas NBCI, pardon, NBVAL. NBVAL, c'est-à-dire il va compter le nombre de valeurs qu'on aura sélectionnées. Donc là, par exemple, si on sélectionne ça, il va le compter pour 4 valeurs.
pour 4 données. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce qui fait que c'est ça le but d'Excel. Ça vous permet d'automatiser facilement votre travail. Donc là, je vais m'arrêter là pour l'instant et je pense qu'on va continuer la vidéo pour un autre module, un module qui arrive très prochainement. Bon, j'espère que vous avez vu à peu près comment tout ce qui est important sur Excel, comment acquérir ces bases-là, comment faire des tableaux, comment rentrer des données, comment mettre aux différents formats monétaires, dates et tout ça. Donc ça, ce sont les premières des choses à savoir sur Excel. Et puis pour les formules maximum, minimum, faire des tableaux sur Excel, je vous ai montré. Voilà, donc pour faire des couleurs et tout ça, vous avez tout, vous avez les couleurs là. Il suffit de cliquer sur le A, vous avez la bande déroulant, vous mettez la couleur comme vous voulez et tout. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu très très basique, donc tout le monde peut le faire. Et donc je vais m'arrêter là et on se voit la prochaine pour un autre module encore super intéressant qui vous aidera à développer vos compétences.